Bonjour Soraya. Bonjour Samy. Comment ça va ce matin? Bah ça va, assez bien. Allez, nous allons parler revenir sur la robotique, une tendance auprès des jeunes des écoles qui font leur apparition, qui proposent des formations adaptées aux grands et aux petits. Eh bien, doter nos plus jeunes de compétences liées au TIC, ce dès un très jeune âge. Donc les formations dédiées à ces spécialités commencent à partir de 5 ans. L'enfant peut d'ores et déjà apprendre les bases de la robotique, soit la logique derrière le fonctionnement d'un robot, comment lui donner une tâche à accomplir, les pièces à utiliser. Une tendance est créée autour de l'automate qui intéresse de plus en plus de passionnés de technologie. Alors dans plusieurs wilayas du pays, des écoles, des centres de formation, des clubs adoptent cette approche et proposent donc une formation complète dans le domaine de la robotique. L'enfant pourra progressivement gagner un savoir en termes de composants électroniques, de branchements, assez pour se familiariser avec les différents procédés et pouvoir à son tour créer un robot de toutes pièces. Le robot, il lui faut des instructions, des tâches à accomplir. Dans ce sens, l'enfant apprend également à programmer sous forme de jeu, de puzzle, de quoi développer le sens de la créativité tout en apprenant les bases de la robotique. Alors au cœur de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, des secteurs clés qui peuvent bénéficier de l'avantage de la robotique, procédés modernes, tâches répétitives, voire même lutter contre les incendies de forêt. Des événements liés à la robotique, on sent à leur deuxième édition des compétitions qui visent à tester les connaissances et capacités des élèves venus des quatre coins du pays pour démontrer leur maîtrise côté programmation et fabrication du robot. Des compétences passionnées de robotique, une élite algérienne maîtrisant les dernières technologies de pointe, c'est le résultat recherché à travers les myriades de formations proposées dans ce sens. Merci Samy. C'est à vous Soraya. À demain matin.